Se passe bien? Très bien. Belle semaine? Comment? Une belle semaine? Oui. Plutôt reposée? Oui. Oui. Pas très convaincant, mais bon. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Voilà. On fait ce qu'on On peut. fait ce qu'on peut, oui. Effectivement. Alors aujourd'hui, en compagnie du docteur Fethi Ben Achnou, nous allons nous intéresser à un fléau qui devient très normal, j'ai envie de dire, et pourtant l'impact très négatif du tabagisme. C'est devenu normal depuis un moment, C'est hein. devenu normal et pourtant, c'est pas aussi normal que ça. Toi qui supportes pas Exactement. la cigarette. Non, j'aime pas ça. Non. Du tout. Ben non. Ça colle, je sais pas, ça reste, l'odeur. Et après la toux, et après les gènes respiratoires, et après. Exactement. Donc pour les non-fumeurs, Pour les non-fumeurs, bien sûr que voilà. c'est gênant. C'est gênant. Même pour les fumeurs, hein, à long terme, après. C'est peut-être un peu plus difficile quand ils arrêtent de fumer. Question de volonté. C'est ce qu'on Il faut dit. le vouloir. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on Si dit. on Et ne le ben veut je... pas vraiment, ça ne sert à rien. Et ben justement, parce que justement aujourd'hui, en compagnie du docteur Fethi Ben Achnou, nous allons revenir quand même aux impacts qu'on ne voit pas forcément. Donc c'est vrai que ça travaille à l'intérieur et on ne voit pas ça forcément. Et justement, en compagnie de notre ami docteur Fethi Ben Achnou, nous allons revenir sur l'impact, les impacts négatifs sur, de la cigarette, parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas deux maladies, mais c'est plusieurs maladies qu'on peut contracter. Donc suite à la cigarette. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tourisme, Mina. Parce que justement, nous célébrons la journée mondiale du tourisme et aujourd'hui, nous allons parler du tourisme et surtout un tourisme responsable, donc un écotourisme responsable. On en parle beaucoup, hein. On en Ces parle derniers. beaucoup, surtout en fin d'année au sud. En fin d'année ensuite, Oui. effectivement. Effectivement, parce que c'est vrai que c'est là où il y a plus d'attractivité, c'est la saison. C'est la saison et malheureusement, il y a des touristes pas très responsables, on va dire, qui laissent un petit peu le désert. Qui laissent leurs déchets, on va dire. Voilà, Ouais. vraiment. Après, ce sont des paysages complètement lamentables à voir. Hein. Exactement. Bon, pas qu'au sud, hein. Pas qu'au sud. Pas qu'au sud, Pas qu'au malheureusement. sud. Voilà, effectivement. Et nous allons aussi nous intéresser à l'art aujourd'hui, puisqu'au niveau du palais de la culture, il y a eu, on va dire, un hommage hein, aux différentes institutions donc, artistiques, notamment les Beaux-Arts. Donc nous aurons des étudiants des Beaux-Arts qui seront parmi nous ce matin et reviendront sur leur exposition et sur leur travail aussi. Alors hier, c'était le 1er juin, ça t'évoque quelque chose? Les enfants? Les enfants, la journée mondiale des enfants, il est toujours en vie, hein, j'espère Bah bien, écoute, l'enfant t'as intérieur. pas idée à quel point. Si, 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 t'as encore rien si, vu. si, si, je peux en témoigner en tout cas. T'as encore rien vu. Je te Tout ça, j'ai promets. encore rien Ah, t'as vu. encore rien vu. Bon, ça, c'est ce qui se passe à l'antenne, Laisse-moi hein. En dans un parc coulisses, d'attractions, après, tu je vous vas dis pas. voir. Hein. Après, je vous dis pas ce qui se passe en coulisses. Hein. Donc, l'enfant dominant, on le connaît, hein. Non, laisse-moi dans un parc d'attractions et tu vas voir le. Oui, bon, mais là, j'imagine que l'enfant qui est à l'intérieur de moi, il va bien se rencontrer avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi si on est dans un parc d'attractions après, hein. Allons-y. Hein, n'est-ce pas? Tu te Donc. rappelles de la grande roue du bateau, hein, n'est-ce Oui. pas? Je me rappelle même du. Incontournable, les jeux incontournables. De toute façon, j'imagine que tous ceux qui nous regardent de notre génération se rappellent très très bien. Oui, il y avait le parc de Kharroba, je sais pas si tu te Oui, rappelles. Oui. effectivement. Il y avait le jeu interdit, parce que j'étais beaucoup trop jeune Voilà. et que je voulais absolument faire, que j'ai fait quand j'ai grandi, les auto-tamponneuses. Ah oui? Bah, Bah tu pouvais oui. le faire avec un adulte. Oui, mais non. Mais non. Non, Ah non, non, d'accord. interdit. Non. Ah d'accord, si moi je le faisais quand même, mais avec un adulte jusqu'à ce Mais ça que sert j'ai à eu l'âge rien. requis. Moi, je voulais conduire. Oui. Voilà, c'était ça le. Voilà, bon, après on s'imprègne hein, petit à petit. Et après, bah voilà, tu le fais de toute façon. Oui, maintenant je le fais, mais. L'autotamponnade, tu le fais de toute façon au niveau des autoroutes. Tu le Non, fais non, pour non. de vrai Je suis très maintenant. Hein. prudente. Oui, Non, non, non. bien sûr. Je suis très, très, très Non, c'est prudente. vrai, tu es très prudente là-dessus. Là-dessus, l'enfant, il dort. Hein. Ah, l'enfant, il dort. Ah, Quand il il dort conduit, là. l'enfant, Il il a dort. intérêt à dormir de toute Il façon. dort Il a intérêt à profondément. dormir. Et bien justement, à l'occasion de la journée de l'enfant, nous allons revenir sur différents événements d'ailleurs qui ont été organisés pour célébrer la journée mondiale des droits de l'enfant, notamment une très très belle exposition donc, qui a été organisée au profit des enfants. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé d'un atelier qui devait s'organiser donc durant la semaine autour des mesures intelligentes pour le dessalement de l'eau et pour l'économie de l'eau. Et ben le 31 mai, voilà, le 31 mai, donc il y a eu clôture de l'atelier. Nous allons revenir aujourd'hui avec certains projets qui ont été proposés donc dans le cadre de cet atelier. Donc des projets intelligents surtout, des projets innovants
surtout pour, encore une fois, promouvoir l'économie de l'eau, d'autant plus que le monde, en ce moment, vit quand même un stress hydrique assez, assez important. Exactement. C'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de pluie hein, durant l'année. Oui. Voilà. Ça s'est un petit peu rattrapé ces dernières semaines. Ça s'est un petit peu rattrapé ces dernières semaines. Mais bon, mais c'est encore jamais assez. Exactement. Voilà, donc là, il faut vraiment aller vers des solutions innovantes que nous aurons l'occasion de voir ce matin. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amel Almi qui l'a programmé pour nous. Sinon, il fera beau aujourd'hui ? Non. Non, il ne fera pas beau. Pas vraiment. Non, il fera beau selon Amel Larrivé. Il fera beau selon Amel Larrivé. Il fera beau selon Amel Larrivé. Un peu plus de détails, Mina. Avec plaisir. Allez, ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معن نصنع المستقبل. Et donc, il fera beau aujourd'hui selon Amel Larrivé, selon nous aussi, hein, parce que c'est quand même un temps que nous attendons depuis le mois de janvier, depuis le mois de février. Oui. On a eu droit à beaucoup de pluie. On a eu droit à beaucoup de pluie. On en aura droit aujourd'hui encore. On aura droit à quelques pluies aujourd'hui, effectivement. Bah, c'est ce qu'on espère en tout cas. Ouais. Un peu plus de détails, Mina. Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Rebonjour à tous et très bon réveil de la brume ce matin, notamment vers les côtes ouest, côtes centre pardon, et est, avec un ciel plutôt nuageux en journée, avec quelques pluies à partir de cet après-midi sur l'ensemble des régions côtières, des pluies sous forme d'averses, orageuses parfois accompagnées de grêles, notamment vers l'intérieur ouest et les Aurès. Sur la partie sud, des pluies sur le nord Sahara, des pluies également sur la Sahara avec une amélioration. À partir de l'après-midi, et puis on notera de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le sud-ouest, le long des frontières algéro-maliennes, la Sahara, le nord Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien on notera sur la moitié nord 24 degrés. Du côté d'Alger, 22 degrés à Oran, 21 degrés à Tlemcen, on notera 17 degrés à Djilfa, 33 degrés. À Gherdaya, 34 degrés à Béchar, 24 degrés à Hassim Saoud, 33 degrés à Tindouf, 40 à Adrar In Salah et enfin 43 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt calme vers les côtes est, peu agitée à l'ouest et au centre avec des vents entre 10 et 30 km/h vers les côtes ouest, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 20 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour cette journée. Eh bien, on aura droit à beaucoup de pluie du côté de Miami, un ciel dégagé un peu nuageux à Mexico, Dallas ou encore New York. Côté température, on notera 22 degrés à Vancouver ainsi qu'en Californie, 32 degrés à Dallas, 29 à Miami et enfin 30 degrés à Mexico. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure, Viti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معن نصنع المستقبل. Et c'était donc les nouvelles du ciel. Donc nous retenons des températures plutôt saisonnières, oui, Mina. Pas trop chaud, pas trop froid. Voilà, et pourtant il y aura quelques pluies. Quelques pluies en journée, beaucoup d'humidité aussi. Beaucoup d'humidité. Mmh. On l'a ressenti quand même ce matin. Oui, hier ce matin. Comment ça l'a ressenti hein, de plus en plus, oui. Malheureusement. Voilà. Il y a l'été qui arrive à grands pas aussi. Hein. Ça va être bientôt, dur. Quelques jours déjà. En quelques jours, oui. En quelques déjà. Jours. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite, oui. Et moi qui ce matin, je disais, on est le 2 juillet, tu te rappelles ? Le 2 juillet. Voilà. Mais ça passe tellement vite, mais non, on est le 2 juin. Non, quand même. Pas. Ça passe vite, ok, mais ne quand même pas à ce pas, point. Nous sommes le 2 juin. Nous allons vivre que le 2 juin. Tout le mois de juin convenablement. Voilà, s'il te plaît, laisse-nous profiter du mois de juin. Même si on peut rallonger encore, on rallongera. De quoi ? N'est-ce pas ? Ah bah oui. Ah ben voilà. Merci beaucoup Mina. Merci. Mina se retrouve tout à l'heure après Jean-Yves Visite du avec midi, plaisir. Après suivi 19h pour plus de détails, 9h30 aussi. Tout à fait. N'est-ce pas ? Ah oui. Et demain, à partir de 8h. Avec sur plaisir. D'Algérie. Merci beaucoup Mina. Et on continue, pause musicale. Ce sera en compagnie de Arzéouz Raïs et on se retrouve juste après. Stop.
Et voilà, c'était donc une pause musicale nostalgique en compagnie de Azib Zahra Slah Moussaale. Et à présent, docteur Fethi Benachnou est parmi nous. Docteur, bonjour. Bonjour, Allah yarham Azib Zahra Slah, qui est un ponte oui. dans le Chaabi. Et regardez, vous a quitté il n'y a pas longtemps, Allah yarham. Est-ce qu'il y a de bien? Regardez l'orchestre. Posséder la RTA. Je dis bien RTA. C'était un orchestre de haut niveau. Mm-hmm. C'était complet. On a été élevé avec cet orchestre. Et d'ailleurs, on apprécie cet orchestre toujours avec le même plaisir. Hein. Interprétation majestueuse, dans le sens où c'est pas du grb, c'est vrai. Un truc de... Non, regardez, il y a une... Ça reste quand même des chansons légendaires. Hein. Bien sûr, c'est notre patrimoine. C'est vrai. Patrimoine. C'est notre patrimoine immatériel, effectivement. Alors aujourd'hui, docteur, on va s'intéresser, comme on disait en compagnie de Mina Abed ce matin, à, on va dire, un problème sociétal déjà. Hein. C'est déjà un problème sociétal avant qu'il soit un problème de santé, qui aujourd'hui, il est de l'ordre de normal, n'est-ce pas? Et pourtant, l'impact, lui... Et pourtant je ne déteste que toi. Enfin, je n'aime que toi, la fameuse chanson. Alors, il ne déteste que moi, ça c'est... Là je devrais faire une autre thèse sur non. ça, docteur. Aujourd'hui, vous êtes une grande école, sincèrement. Une école de médecine. Vous êtes un sujet. Quoi que vous cachiez votre pouce... Oui, aujourd'hui... Non, mais il faut le montrer, n'ayez pas peur. Au contraire, c'est pour ça que vous êtes Allez, une voilà. école. Voilà. C'est quelque chose de très fréquent, c'est ce qu'on appelle les panaris. Mm-hmm. Dans la tradition culturelle algérienne, on dit le conta. C'est lorsque quelqu'un a été très blessé ou frustré, il a un panari. Oui. Mais là, je vais parler en tant que médecin, en tant qu'Algérien médecin. Mm-hmm. Les panaris, maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est en liaison avec une possibilité de diabète. Quand on a un panari, il faut en même temps faire une glycémie. De toute façon, on y reviendra, docteur, hein, avec un peu plus de détails. Inch'Allah. Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous ramener les photos. Ce ne sera pas la régie. Ah oui, la photo. Voilà, parce que j'ai pris en photo toute l'évolution. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse. Je tenais quand même à remercier toute l'équipe médicale et paramédicale de l'hôpital de Ben Aknoun qui m'ont vraiment très, très bien pris en charge, particulièrement... Docteur Wally, voilà, j'ai promis de le faire parce que, en fait, j'ai envie de dire, des fidèles de Bonjour d'Algérie, mine de rien. Oui, et ben voilà. C'est important. Donc, un coucou à toute l'équipe de l'hôpital de Ben Aknoun, particulièrement à Docteur Wally. Voilà. C'est un hôpital de santé publique qui fait la fierté d'Algérie, quoi qu'il y ait un petit peu de dysfonctionnement à cause de, par exemple, dernièrement, j'ai été contacté par quelqu'un qui devait avoir une intervention chirurgicale au niveau de Ben Aknoun et on ne pouvait pas le faire pour un problème de vis. De vis, donc, mais c'est une fierté du système de santé nationale qu'il faut préserver malgré ces petits désagréments. Qui ne sont pas petits, parce que quand on est malade, on aimerait. Mais la preuve, c'est que l'un mais dans reste l'autre... Reste quand même que l'équipe fait toujours de son mieux pour le bien-être des patients. De Alors, encore réputation. Une fois, les patients, effectivement... Donc, merci beaucoup. Là, c'est le mec, docteur. Là, c'est le mec. Bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein, non, c'est courant. Voilà, c'est courant, effectivement. Donc, aujourd'hui, on disait qu'on va parler quand même de ce problème qui touche quand même la société d'abord, la santé aussi, donc le tabagisme. Docteur, on disait, c'est une situation aujourd'hui tout à fait normale. Hein. Donc, on voit les gens fumer à l'extérieur, dans des endroits publics. Ah. Tout est normal. Et pourtant, l'impact, lui, il n'est pas aussi normal. Il n'est pas aussi, aussi anodin, courant. Aussi anodin et courant qu'on le pense. Qui fait partie des mœurs, tout ça. Vous avez dit quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez qualifié... Vous avez dit que maintenant, fumer, c'est un comportement normal. Oui. Normal, pas dans le sens, mais j'ai compris votre normalité. On est devenu trop libéral. On accepte tout, on accepte même les choses dangereuses qui nous détruisent. On ferme les yeux, on s'est habitué. C'est comme si on voit des tonneaux, des monticules de déchets
dans les rues, déchets alimentaires, déchets de construction. C'est normal, c'est des trucs. Pourquoi ça ne marche pas? Premièrement, qu'est-ce qu'une journée mondiale? Qu'est-ce qu'une journée mondiale en matière de santé? Surtout quand elle est décidée par l'OMS. Il y a toujours une explication. Une journée, ce n'est pas de faire une fierté, faire jouer du galal à la radio, à la télévision, des conférences, et après, pof, c'est comme un soufflet jusqu'à la prochaine année. Non, une journée mondiale de célébration, le 31 mai, lutte contre le tabagisme, c'est une journée bilan. Qu'est-ce qu'on a fait, justement, pour diminuer, pour effacer un tant soit peu ce fléau, comme vous le dites, de tabagisme. Et on ne le fait pas. On parle mal du tabagisme. Oui. Ça, c'est extrêmement important. On n'en parle pas assez aussi. On n'en parle pas assez, on en parle mal. C'est pire. Qu'est-ce qui est important? L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Moi, je parle en tant, au point de vue des décisions, des orientations techniques. Il y en a à qui ils donnent à l'OMS un aspect politique, de relations internationales. Moi, je ne m'y connais pas. Mais je parle, moi, des groupes techniques. C'est les plus grands spécialistes au monde des maladies pulmonaires, des maladies cancéreuses, qui ont une pratique quotidienne mondiale et qui se réunissent une fois par an au niveau de l'organisation qui est à Genève en Suisse, et ils font le bilan d'une année. On s'est réunis l'an passé. Je parle toujours au point de vue technique, pas politico, économico, financièrement et je ne sais trop quoi. L'OMS recommande une lutte contre le tabagisme, en même temps contre la demande et surtout contre l'offre. Oui. Or, elle a insisté sur le côté offre de tabagisme. Il y a trop, je vais vous raconter, il y a 4 ou 5 ans de ça, on était en plein été. En plein été, nos étés algériens. Hein. J'arrive dans une petite ville, une ville qui se trouve dans la Métidja. Il n'y avait personne dans la rue, c'était vide. Il y avait seulement un kiosque à tabac. Je rentre dans ce kiosque à tabac, je crois être à San Francisco. Alors, il est bien éclairé, il y avait des présentoirs, il y avait des présentoirs qui attiraient le regard. Mmh. Et à l'intérieur étaient alignés des paquets de cigarettes de toutes les couleurs. Il y avait des dorés, il y avait des argentés. Vraiment, il fallait être hyper aveugle pour ne pas voir ça. Donc, cette offre de tabac... Alors aujourd'hui, on parle d'autres offres, docteur. Aujourd'hui, on parle de tabac mentholé, de tabac vanillé, de tabac à la fraise. Alors maintenant, électronique. Aujourd'hui, c'est... Voilà, électronique, l'autre catastrophe. Qui n'a rien d'électronique, je le dis tout de suite. Ce que l'on fume dans l'électronique, on appelle ça vaporé. Oui. C'est de la vapeur. Vous savez ce que le principe, il n'y a rien d'électronique. C'est comme les pastilles anti-moustiques. C'est, vous savez le petit appareil que tous les Algériens ont. C'est un petit appareil qu'on branche sur une prise, mais il y a une plaque chauffante. Oui. On pose dessus la pastille qui était imbibée de produits anti-moustiques, on la pose et avec la chaleur, il y a évaporation. Là, c'est la même chose, mais à la place de la pastille anti-moustique, on met du tabac. C'est des trucs, ça chauffe et c'est pour ça qu'on ne faut pas parler de cigarettes électroniques, il faut dire vaporiser, c'est-à-dire faire vapoter, pas vaporiser. On va vapoter, c'est-à-dire produire de la vapeur. Et on dit que c'est électronique. Donc, il faut lutter contre l'offre de tabac. Venir avec des fake news, là, c'est réellement des fake news qui sont permises, entre guillemets, surtout dans les pays du tiers-monde, en Europe,
la consommation a diminué par différents systèmes. Mm-hmm. Différents systèmes, on a diminué différents systèmes pris au point de vue législatif, au point de vue impôt, au point de vue. Mais dans notre pays, surtout les pays MENA, Moyen-Orient, oui. tout ça, il y a une explosion de tabagisme. Mm-hmm. Ils ferment chez eux. Et ça, c'est, pourquoi ? Alors justement, docteur, parlons réellement de l'impact de la cigarette. Alors quand on parle de cigarette, première chose à laquelle on pense, c'est le cancer du poumon. Donc à chaque fois, on parle de cancer du poumon. Pourtant, il n'y a pas que ça comme impact. Chauffez, je pourrais maintenant vous déballer le musée des horreurs. Oui. Premièrement, le plus grave, ce n'est pas le cancer du poumon. Plus grave, entendons-nous bien. Plus important, c'est le cancer de la vessie. Ça, c'est très important. Il y a obstruction des vaisseaux sanguins des pieds, ce qui fait qu'on peut être amené à couper le pied. Moi, j'appelle ça le musée des horreurs. Moi, je ne veux pas faire visiter le musée des horreurs. Les toux. Surtout, c'est les... Pourtant, ça sert parfois de visiter le musée. Pourtant, ça sert parfois ça de visiter mais le musée, docteur. Ce n'est pas uniquement ça. Il faut expliquer pourquoi... On a ces cancers. Pourquoi ces cancers? C'est la cigarette. Mais pourquoi on fume autant? Qu'est-ce qui nous a amené ou qui nous amène à fumer autant malgré? C'est toutes ces choses-là. Quand vous avez chez nous tablette, ce qu'on dit tabla, c'est à la sortie des lycées, à la sortie des écoles. Mais il faut lutter contre ce type de d'offres de tabagisme. Et vous voyez pourquoi j'ai commencé par un côté les coulisses du tabagisme, c'est parce qu'il ne faut pas venir parler. C'est pour ça que je dis qu'on parle mal du tabagisme. Et attention, le tabac, c'est des goudrons, on dessine tout ça. Oui. Mais si vous me... c'est comme le diabète. On dit attention, le sucre, le tabac ou le sucre, c'est la même chose. Oui. Le sucre va voir ce que entraîne, perte de la vision, l'insuffisance rénale, l'arrêt cardiaque, les AVC, tout ça. Mais qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui m'incite à consommer? Donc il faut arrêter. C'est comme un bidon. Un bidon qui se remplit d'eau. Vous venez, si vous laissez les choses, il y a le bidon qui va déborder, l'eau va envahir la salle où elle est, et vous allez venir pour éponger. Non, il va falloir fermer le robinet. C'est comme ça, c'est cette offre de tabac. Moi, je pense qu'en Algérie, l'offre de tabac, on ne lutte pas assez. J'ai l'impression que l'offre de tabac, la production de tabac, est complètement en dehors de ce fait. Et l'État qui est en train de lutter et de dépenser, c'est une dépense folle. Il y a des gens qui se mettent de l'argent dans la poche et l'État, c'est lui qui s'occupe des cancers des poumons. C'est lui qui s'occupe des cancers de la vessie. C'est lui qui s'occupe des amputations de jambes et, attention, avec des prothèses. Il y a toutes ces choses-là. Wahed dit le bénéfice ou l'akhor. On dit. Et ça, j'aimerais que des étudiants en économie fassent une étude sur ça. On dit que le tabac, on y met le paquet parce qu'il ramène des impôts. Mais si je ramène des impôts, là, je gagne des impôts. Mais après, on fait sortir du côté de l'assurance. Combien est-ce que je gagne plus que dépenser, là, en étant strictement financier, je ne suis plus médecin. Est-ce que je gagne plus avec l'impôt des trucs que les dépenses de l'État, du ministère de la Santé, qui bouffe son budget pour faire face? Et ces pathologies dont on parle sont extrêmement... Une toux, il faut des pneumologues, il faut des médicaments, il faut des appareils pour pouvoir respirer. Parce qu'on oublie qu'on peut avoir ce qu'on appelle, ni cancer ni rien, mais la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Nous en avons parlé déjà, rubriques, docteur. C'est un malheur. C'est une catastrophe. Le fait, vous ne pouvez plus vous lever pour aller prendre, c'est un essoufflement. Et l'État, à ce moment-là, doit produire de l'oxygène. Il y a des appareils, il y a des ceci, il y a des... Et les hospitalisations, et les médicaments antibiotiques, et. Alors là, en bon économiste, et on en a dans la famille, en bon économiste, je ne dois pas
dépenser plus que ce que je gagne. Effectivement. Donc, et c'est là pourquoi je dis, j'insiste, ça va paraître bizarre, pourquoi j'ai dit qu'on en parle mal, parce qu'on se lance tout de suite, attention, ça développe la toux, ça développe le cancer. Oui, mais non. Mais après, docteur, quand on parle de tabagisme, donc là, on parle de celui qui fume, donc de celui qui consomme la cigarette, et on ne parle pas beaucoup de l'entourage, lui, finalement, qui subit. Ce qu'on appelle les fameux fumeurs passifs, ceux qui subissent. Et justement, il y a eu des lois hein, par rapport à cela, des lois quand même où il y a eu, encore une fois, toute une guerre hein, pour les appliquer, par exemple, instaurer les espaces publics interdits à la... Il faut revoir vos données. Interdits aux fumeurs et... Il faut revoir vos données. Dans la lutte à l'étranger, dans la lutte contre le tabagisme, on a supprimé on a supprimé ces coins permis au tabac, dans les cafés, dans les... Il n'y a pas, c'est interdit de fumer. Interdit de fumer. Pourquoi ? C'est très simple. Quand on rentre à la maison après une journée de travail, les douces épouses que l'on salue, dès qu'on rentre, on sent l'odeur d'un plat préparé. Oui. L'odeur, c'est les fumées. Qui se dégagent de la marmite et qui remplissent pratiquement toute la maison. Il y a des femmes qui disent « Non, ils ne fument pas chez nous, ils fument sur le balcon. Mais ça, c'est, quand ils rejettent de la cigarette, ça, c'est quelqu'un qui est poli, qui respecte sa petite famille, sa femme. Mais il y en a, pour regarder un film à la télé, il est assis et il fume, son épouse à côté de lui et ses et enfants. Les enfants. Je vous dis une chose, des angines à répétition, des infections ORL, otorhinolaryngo, fréquentes chez les enfants, c'est à cause du papa qui fume. Pas des gosses, c'est le papa qui fume. Donc, c'est ce qu'on appelle le tabagisme passif. Moi, ce que je propose, c'est que les associations féminines de lutte pour la santé de la femme incluent le tabagisme à la maison à cause des... Maintenant, vous voyez qu'aux États-Unis, vous avez des tours immenses. Oui. On ne doit plus fumer dans la tour pour différentes raisons. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis une diminution hein, des fumeurs. Parce que, c'est ce que je vous ai voilà, dit. Voilà, parce que finalement, aujourd'hui, les fumeurs ont un petit peu la flemme de sortir dehors pour fumer, surtout quand il fait froid, quand il neige. Voilà. Et donc, d'aller sur le trottoir pour fumer. Voilà, et donc, la décision, c'est carrément d'arrêter de fumer. Donc, ça a un petit peu encouragé, finalement. Donc, vous voyez qu'ici, chez nous, en Algérie, on doit être plus agressif dans la lutte contre. Dire qu'il y a des lois, Moi, pourquoi ? Quand vous grillez un sens interdit, ça vous fait mal. Ça se sent. Non, c'est ça le panari. Il faut changer de pansement. Ça va se faire aujourd'hui. OK. On n'aimerait pas vous voir souffrir. Ça fait partie de la vie aussi. Hein. Non, mais ça, il faut éviter. Oui. Il faut devenir offensif. Par exemple, vous grillez un sens interdit en voiture. C'est sur place. Et je salue les agents de police qui sont sur le terrain. Je les salue. Et ils vous arrêtent, ils vous pénalisent. Presque, ils vous disent « Oujdakhlek, khlininitriye ». Les fumeurs, hein. Non, mais avec agressivité. C'est pour ça que je dis, je répète... On termine sur ça, docteur Qu'on en parle mal. Il faut passer une journée mondiale, c'est pas faire des affiches, faire je ne sais quelle rencontre entre gens bien concernés, mais c'est beaucoup plus faire le bilan. À partir de cette année... l'an prochain, il faut comparer combien il y a de cancers du au truc. C'est ça, faire un bilan, encore une fois. Combien de BPCO. Un bilan, et c'est ça, une journée mondiale, et je m'arrête là. Voilà, merci beaucoup, docteur, encore une fois, pour ce point de sensibilisation. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. En meilleure forme, certainement. Merci beaucoup, docteur. On continue, on va rester avec le tabagisme, et justement, Samia Bouarou s'est intéressée à cette journée mondiale de lutte contre le tabac. Je vous laisse voir ce reportage, et on se retrouve juste après. L'ONU
L'OMS a institué la journée mondiale sans tabac en 1987 pour faire connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Cette journée du 31 mai se célèbre chaque année sur un thème différent à travers des campagnes de sensibilisation, des émissions, des articles, des conférences et autres. Cela nécessite donc l'implication active de tous, les gouvernements, la société civile, les médias et autres, pour une plus grande prise de conscience. Le tabac tue plus de 8 millions de personnes chaque année et détruit notre environnement à cause des déchets post-consommation, sans oublier l'exposition à la fumée secondaire, ce qu'on appelle le tabagisme passif. L'Algérie compte quelque 4 millions de personnes qui fument. La lutte contre ce fléau nécessite la conjugaison des efforts des différents secteurs, ainsi que de renforcer la prévention et la sensibilisation en ciblant les personnes dépendantes à y renoncer à travers les 52 unités consacrées disponibles actuellement à travers le territoire national. Il est à rappeler que l'Algérie a ratifié la convention cadre de l'OMS le 12 mars 2006 afin de consolider le contrôle des produits du tabac et de garantir la protection de la population dans les lieux publics. Retour sur le plateau et cette fois-ci nous allons nous intéresser au tourisme, à l'environnement, à l'écotourisme, responsable. Et ce sera en compagnie de notre invitée, Madame Asma Moulay. Bonjour. Bonjour Madame. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Là ici, alors Madame Moulay, vous êtes experte et chercheure en environnement et en tourisme. Exactement. Voilà, alors aujourd'hui, nous commémorons la journée mondiale du tourisme et nous parlons beaucoup d'écotourisme responsable. Donc finalement, l'écotourisme responsable, c'est quoi ? Exactement, comme vous avez dit, Madame, aujourd'hui, alors le monde entier célèbre la journée mondiale de tourisme responsable et respectueux, le 3 juin. Et sachant que la journée mondiale de tourisme, c'est le 27 septembre. Mmh. C'est-à-dire tout le monde fête ça. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce que alors, les responsables et les vrais acteurs de tourisme, alors ils célèbrent cette journée parce que, comme un engagement quotidien par rapport à la nécessité de voir le tourisme d'un autre angle, d'un autre œil, et puis essayer de voir et essayer, c'est-à-dire d'équilibrer l'économie, l'environnement et aussi la société. Mmh. Et c'est pour ça que ce tourisme... Ça va de soi, c'est une chaîne. Ben exactement. Et c'est pour ça que c'est un tourisme responsable et respectueux qui respecte la nature, l'humain et l'environnement. Et aussi, il pense à l'économie et à un développement socio-économique. Alors justement, quand on parle d'écotourisme responsable, quand on parle de tourisme responsable et respectueux, donc finalement, on comprend qu'il y a des directives qui sont mises en place après certaines recherches, après certaines séances de travail qui se font, parce que finalement, chaque environnement a ses spécificités. Donc pour chaque environnement, il y a un comportement particulier à faire. Alors toutes ces directives, toutes ces, j'ai envie de dire, des recommandations avec lesquels on sort. Donc finalement, qui est responsable de les respecter, de les appliquer, d'informer le tourisme justement par rapport à tous ces comportements? Tout le monde. D'ailleurs, je me sens concernée aussi en tant que média. Tout le monde, vous savez, parce que déjà, c'est-à-dire cette année, le thème de la Journée mondiale de tourisme responsable et respectueux, c'est le partenariat et la force collective. Oui. Et ça, c'est un signal pour dire... on peut avoir une économie
une industrie touristique, mais aussi en respectant l'environnement, les zones naturelles sensibles, en respectant aussi la culture des habitants, parce que aussi, c'est-à-dire la masse touristique et tout, a des effets et des impacts négatifs, et surtout, c'est l'environnement. Permettez-moi de vous dire que l'Organisation mondiale de tourisme a défini le tourisme responsable et respectueux autant que un tourisme que il est une création de tourisme, mais en appuyant sur les impacts. Alors on va éviter les impacts négatifs sur l'économie, sur aussi la société et sur l'environnement. Et on veut faire, c'est-à-dire d'après la définition de l'Organisation mondiale de tourisme, on veut avoir un développement socio-économique, mais on doit respecter l'environnement, on doit respecter la nature de l'habitant de cette zone touristique, et on doit surtout avoir, c'est-à-dire une autre définition à tout ce qui a rapport avec l'énergie, l'utilisation de l'énergie. Et ça aussi, ça pousse le monde entier à choisir une thématique pour la Journée mondiale de tourisme, autant que pour l'année prochaine, le 27 septembre 2023, alors c'est le tourisme vert. Oui, le tourisme vert. Oui, on parle beaucoup d'économie verte en ce moment. Ben oui, parce que vous savez, aujourd'hui, après la COP27 et après, alors tous les séminaires et les réunions au niveau, le monde entier vit, c'est-à-dire des effets et des impacts par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la nécessité de revoir l'économie d'une autre façon. Et d'ailleurs, même après les crises sanitaires ou autres, je peux vous dire les chiffres. En 2020, le secteur de tourisme à l'échelle mondiale, ils ont arrivé à 35 trillions de dollars. Ça a augmenté? Ben, 2019, c'était ça. 2020, ça tombait, d'accord. Oui, ça a tombé. Exactement, c'est ça a tombé, c'est normal. Et après, en 2022, d'accord, ça a monté jusqu'au 21. Et grâce à quoi? Grâce au tourisme domestique ou bien le tourisme interne. Alors, si on peut, c'est-à-dire résumer, d'accord, on peut créer une industrie touristique, mais avec une mentalité et avec un engagement de la part de tout le monde sans exception. Alors là, si on prend en considération ce que vous nous dites aujourd'hui, donc finalement, toute la culture, j'ai envie de dire, toute la philosophie du tourisme a un petit peu changé, parce qu'il y a quelques années en arrière, on parlait de tourisme de masse, mais finalement, le tourisme de masse ne respecte pas forcément l'environnement. Donc finalement, nous sommes en train d'aller vers une autre forme de tourisme. Exactement, une autre forme et une autre vision et une autre pensée de tourisme. Parce que comme je viens de vous dire, madame, par rapport les effets et l'impact négatif des différentes crises qui a impacté le secteur du tourisme, et c'était un résultat, c'est-à-dire automatique, la nécessité de penser comment garder les emplois, la nécessité comment, c'est-à-dire et créer d'autres, la nécessité comment avoir un secteur, c'est-à-dire un secteur et un tourisme résilient qui arrive à ne pas avoir d'impact négatif s'il y a une crise, avoir aussi des nouvelles métiers qui respectent l'environnement et aussi la culture et tout. Et par rapport à ça, le monde entier, je pèse mes mots, alors je peux vous dire que la nécessité de repenser le tourisme et de remettre d'autres stratégies pour diminuer, par exemple, l'utilisation alors de tous les moyens qui utilisent trop les effets de serre. Par exemple, vous savez que, par exemple, le secteur de tourisme, 8%, il contribue à 8%. Alors, c'est un pourcentage très important par rapport
le 8% des effets de serre, c'est important. Et suite à ça, le monde entier, alors je dis par rapport à l'Organisation mondiale de tourisme et les pays qui sont membres, il y a un engagement de leur part de revoir un tourisme qui respecte l'environnement et aussi par rapport à l'humain. Et là, c'est le retour par rapport... Comment on va voir le tourisme de demain? Le tourisme de demain, il est basé sur des tendances, et ces tendances, ils sont basés sur l'humain. Et je peux vous dire aussi, madame, si on parle par rapport au tourisme responsable, c'est la nécessité de donner d'autres produits. Et puis, pourquoi pas ne pas donner ces labels, le label de produits responsables et respectueux, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une clientèle exigeante par rapport à ces engagements magnifiques et extraordinaires, responsabilité, respect de la nature, respect de la culture. Pourquoi pas, par exemple, aussi ne pas mettre des thématiques responsables. Si, par exemple, il y a des sites naturels et tout, il y a des randonnées, utiliser, au lieu d'utiliser la voiture, utiliser le vélo. Ou bien, c'est-à-dire marcher à pied, parce que ça, c'est bien aussi par rapport à la santé. Ou bien, par exemple, pourquoi pas ne pas faire de cheval. Pourquoi ne pas, par exemple, dromadaire au sud. Pourquoi pas ne pas utiliser les ânes. Là, ce retour-là. Et puis, tout le monde, il y a une économie. Après, il y a une chaîne qui va, c'est-à-dire, qui va... Tout le monde est gagnant, parce que cette chaîne de valeur et cette chaîne de touristique, alors tout le monde est très content. D'un côté, on est en train de... dire c'est bien par rapport à la nature. D'un autre côté, c'est faire marcher alors l'économie locale. Et de l'autre côté aussi, c'est un petit geste de la part de chacun de nous. Pourquoi pas aussi, je profite de l'occasion, si on parle par rapport au tourisme responsable et respectueux, acheter tout ce qui est local, un produit, d'accord, par rapport à notre artisanat algérien. Déjà promouvoir le patrimoine, exactement. Aussi encourager les artisans. Exactement. Acheter alors des tableaux, des artistes algérien, made in Algeria, par exemple, est fait par nos artistes. Manger algérien, d'accord. Alors, faire de la promotion pour la gastronomie algérienne. Et c'est ça, moi, je pense, la responsabilité de chacun de nous. Voilà. Alors aussi, il y a un autre volet qui est très important, c'est la technologie. Alors comment aujourd'hui on peut mettre la technologie au service des touristes? On le voit d'ailleurs à travers les clubs scientifiques au niveau des universités, certaines start-up qui font quand même un travail assez intéressant à travers des applications, à travers des sites internet, à travers des initiatives dans ce sens, justement pour la promotion du tourisme et surtout participer à une éducation touristique. Exactement. Vous savez, madame, aujourd'hui, les efforts de l'État, ils sont énormes par rapport au secteur de tourisme. Soit, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire des autorités responsables, ou bien par rapport, c'est-à-dire les autorités, ou bien les secteurs qui travaillent avec le secteur. Par exemple, l'enseignement supérieur, comme vous venez de dire, ou bien l'économie le ministère, par exemple, de l'économie de savoir, et les start-up, et les entreprises, petites entreprises, et d'autres ministères. Et par exemple, comme vous venez de dire, aujourd'hui, à l'échelle de toutes les universités, il y a des clubs scientifiques, il y a des maisons d'entrepreneuriat, il y a aussi des incubateurs. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut dire que cette mentalité et cette innovation dans tous les domaines, et moi, là, je suis en train de parler par rapport au tourisme. Je peux vous dire que la semaine passée, alors au niveau de l'université Alger 1, c'était une thématique, l'innovation touristique dans le domaine du tourisme. Et puis, c'était l'occasion de découvrir des magnifiques projets dans le domaine du tourisme. Et on était surpris parce que, c'est-à-dire, il y avait, des idées responsables et respectueuses à la nature. Par exemple, comment trouver, c'est-à-dire, des circuits touristiques naturels.
culturelles, comment par exemple vous pouvez voir c'est-à-dire des produits comme, c'est-à-dire là où il y a par exemple les randonnées et tout, par exemple il y avait d'autres qui sont en train d'encourager tout ce qui est gastronomie algérienne, les restaurants et les magasins et tout par rapport à tout ce qui est gastronomie algérienne. C'est et on a adoré. Voilà, c'est vrai que les étudiants ne cessent de nous impressionner à travers leur projet innovant. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu ce matin. Merci beaucoup d'être revenu en notre compagnie sur cette journée donc, mondiale de l'écotourisme responsable. Et surtout, donc là, on comprend que chacun d'entre nous a sa part du colibri, comme on dit. Exactement, voilà, je profite de l'occasion pour vous remercier et remercier Canal Algérie. Marhaba bik. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je rappelle, Madame Esma Moulay, vous êtes experte chercheur en environnement et en tourisme. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Justement, à votre compagnie, nous avons parlé des clubs scientifiques de l'université, de tous ces projets innovants et restant toujours dans l'innovation, puisque comme je vous le disais ce matin, la semaine dernière, nous avons reçu nos invités pour parler donc d'un atelier au profit des universitaires afin de penser à des projets, à des solutions innovantes pour pallier au stress hydrique. Et justement, notre ami Lamia Bouddha s'est intéressé à ce sujet dans ce reportage et on se retrouve juste après. Les technologies émergentes de séparation pour le traitement de l'eau et de l'air étaient au cours des débats d'un atelier thématique s'étalant sur 3 jours, initié par l'Agence nationale de valorisation des résultats de recherche et du développement technologique, en partenariat avec l'African Membrane Society LAMSIC et la chaire UNESCO CIMEV de l'Université de Montpellier et l'Institut européen des membranes. L'objectif recherché à travers cet événement, c'est de rassembler les différentes parties prenantes dans le secteur de l'eau, et plus particulièrement celui des eaux non conventionnelles, à savoir le dessalement, et aussi la réutilisation des eaux usées. C'est un peu de trouver des solutions et faire des recommandations sur les solutions à mettre en place pour un peu assurer la sécurité hydrique de notre pays. Donc, l'idée, c'est de... Le zoom sera donc mis sur les technologies émergentes dans le domaine du dessalement, la réutilisation des eaux usées, la production d'hydrogène, le dessalement solaire, thermique et photovoltaïque. Moi, je forme des ingénieurs dans le domaine de l'eau. Donc mes missions, j'ai des missions scientifiques et ensuite je suis investi au sein de la chaire UNESCO CIMEV, Sciences des membranes pour l'environnement. Et là, la volonté, c'est un peu les volontés de l'UNESCO, c'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice qui sont les objectifs de développement durable. Et nous, on essaye de les appliquer au domaine de l'eau et on essaye de montrer comment les membranes peuvent nous aider à produire une eau qui soit bonne pour la santé des gens qui la consomment, avec des besoins en énergie qui soient raisonnables. Et derrière, on essaye aussi de faire de la circularité, c'est-à-dire que cette eau-là, une fois qu'on l'a bue, eh bien, il faut la rendre au milieu naturel. L'objectif de ces ateliers est de sortir avec des recommandations et des orientations qui aideront à faire face aux problèmes liés au traitement de l'eau et de l'air. Nous avons arrivé à construire tout ce qui est station de dessalement, du point de vue génie civil, du point de vue pompe, du point de vue matériel. Mais les stations de dessalement, c'est quoi? C'est des membranes, c'est l'osmose inverse. Et nous ne fabriquons pas ces membranes. Au niveau mondial, il n'y a que le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et maintenant la Chine qui fabriquent ces membranes. Nous devons maintenant, à travers cette journée, ce congrès, dire... Nous devons faire une usine de fabrication des membranes en Algérie pour être autonome. Il faut savoir que la biopsie des membranes est très nécessaire pour analyser le résultat, qu'est-ce qu'il y a dans la membrane, et pour déterminer quel est le produit qu'il faut pour faire le nettoyage. Donc avant, on le faisait à l'étranger. Maintenant, avec l'université d'Intimotions, l'idée est de faire, donc, de mettre des chercheurs dans ce sens, dans ce projet, pour le faire éventuellement ici. Et nous avons aussi donc signé une convention avec le Bob Zohar cette année, en 2023. C'est pour régler le problème des rejets des membranes usées. Docteur Abdoulaye Doukouri est directeur d'innovation et durabilité au sein d'une société américaine. Il a à son actif 19 brevets internationaux ayant contribué à des développements industriels majeurs. Il dispensera une formation sur les technologies de filtration de l'air. On va former, alors comme c'est un domaine relativement nouveau en termes d'enseignement pour le continent,
On va commencer à expliquer d'abord les problématiques, les enjeux autour de l'air. Il y a près de 9 millions de personnes chaque année qui décèdent dans le monde pour des problèmes liés à la pollution de l'air. Et c'est des problèmes respiratoires. Et à cause de ça, il faut arriver à mettre en place des méthodes, donc d'une part de mesurer la qualité de l'air. On constate dans le monde que l'Europe, l'Amérique du Nord, on va dire les pays industrialisés, ont des systèmes pour mesurer la qualité de l'air chaque jour. En Afrique, ce n'est pas encore le cas. En marge de l'atelier, une cérémonie de remise des prix récompensera les trois lauréats de la 4e édition Challenge du meilleur projet de recherche dans le domaine des ressources en eau. C'était donc un reportage de Lamia Boudbouda qui est revenue donc sur ces ateliers thématiques sur les technologies émergentes pour le traitement de l'eau. Nous en parlons à présent en compagnie de nos invités, à savoir M. Abdelmalik Melboussi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes expert en eau. Paraît-il. Mais si, vous l'êtes. Et parmi nous également des porteurs de projets qui ont pris part à ces ateliers, à savoir Abid Mohamed Riyad, bonjour. Merci. Bonjour madame. Marhaba, vous venez d'Oran? Oui. Marhaba. Et parmi nous également Mohamed Wahrani. Mohamed, bonjour. Bonjour madame. Vous venez aussi d'Oran? Oui. Voilà, marhaba bikoum. Alors vous êtes porteur de projet. Avant de parler de votre projet, nous allons revenir sur ces ateliers, Monsieur Melboussi. Alors ces ateliers, c'est vrai que nous avons reçu vos collègues la semaine dernière pour annoncer l'atelier. Donc les ateliers ont été concrétisés sur terrain. Donc finalement, vous en êtes ressorti avec quoi? Bah, écoutez, en fait, lors de ces ateliers, bon, il y a eu bien sûr des communications, il y a eu des panels, des débats. Et ce qui en est surtout sorti, c'est cette nécessité de collaborer entre labos de recherche des universités et centres de recherche et les entreprises activant dans les domaines de l'eau essentiellement. Mmh. Et en fait, tout s'est focalisé sur particulièrement le dessalement. On a également parlé de la réutilisation des eaux usées et épurées pour l'irrigation. Mais on va dire qu'il y a eu une grosse partie de tous les débats sur essentiellement le dessalement. Ça a été d'ailleurs une thématique qui a été retenue pour ces ateliers, le dessalement. Absolument. Ça a été quand même priorité dans ces ateliers. Oui, absolument. Mmh. Vu l'actualité également. Vu l'actualité. Voilà. Mmh. Et il y a eu beaucoup. Alors, il y a eu bien sûr les chercheurs, il y a eu les exploitants de stations de dessalement existantes, il y a eu des entreprises, et chacun y allait de ses frustrations par rapport à ses attentes du reste. Alors justement, M. Melboussi, bien entendu, ce sont des ateliers là où vous avez reçu des porteurs de projets, avec des projets innovants d'ailleurs, qui répondent à un besoin particulier. Donc aujourd'hui, l'actualité, encore une fois, on parle beaucoup de stress hydrique et de stress hydrique dans le monde aujourd'hui. Absolument. Alors c'est vraiment dans ce cadre que les ateliers viennent pallier, on va dire, à cette problématique. Et c'est donc la problématique principale. Qu'en est-il des projets qui ont été proposés? Donc ce sont des projets qui ont pensé à quoi réellement et à apporter quel type de solution? Écoutez, bien sûr, c'était large, mais on peut citer l'exemple de nos amis qui sont présents avec nous, qui eux ont élaboré une solution qui permet, on va dire, de prévenir les dommages des membranes osmoses inverses dans les stations de dessalement, donc pour permettre, on va dire, une meilleure durée de vie, d'accord, plus longue, et des coûts d'exploitation moindres, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que c'est sur le plan économique, c'est vraiment absolument la chose à laquelle on pense souvent. Alors je reviens à vous, Abid Mohamed Riyad. Alors c'était donc un projet que vous avez proposé au niveau de ces ateliers. Vous avez démarré d'une problématique particulière. Alors quelle a été votre problématique? Tout d'abord, nous sommes des étudiants de l'École nationale politique de Oran, spécialisés dans le domaine de dessalement. On a, d'après notre stage, on a trouvé des problèmes au niveau de les stations de dessalement en Algérie, un grand problème de colmatage des membranes. Mm-hmm. Donc on a réalisé un système intelligent qui va éviter le colmatage des membranes. Donc c'est ça la problématique
qu'on doit trouver la solution. Très bien. Et justement, vous y avez réfléchi ensemble, d'ailleurs, Riyad et Mohamed. Oui. Alors, vous avez donc réfléchi à ce projet. Donc, le projet, finalement, la solution, elle consiste en quoi? Donc, comme vous savez, dernièrement, le programme national de dessinement qui est déclaré par M. le Président et veut que nous sommes des étudiants spécialisés dans son domaine. Et le décret ministère de 1275 qui permet aux les étudiants qui ont un projet fin d'étude de créer leur entreprise. Donc on a pensé à cette solution innovante. C'est une collaboration entre l'intelligence artificielle et la chimie des eaux. C'est un on a réalisé un prototype qui mesure les matières colmatantes en temps réel. Les matières colmatantes, pour les mesurer, on suivait un protocole sur laboratoire qui prend d'argent et prend de temps. Mais ce prototype va nous permettre de gagner du temps et maintenant de l'argent et rapidement pour prévenir le surcolmatage. Justement, alors M. Boussi, on voit quand même à travers l'intervention des étudiants qu'il y a quand même des solutions innovantes, qu'on a mis toute la technologie au service justement de l'eau. Donc ça reste, mais ça reste quand même à l'état de projet. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ces projets se transforment en réelles solutions sur terrain. Alors comment mettre en lumière ces projets-là? Alors, bien sûr, on revient au partenariat. Des événements déjà comme, comme cet événement d'il y a, donc, qui a duré 3 jours sert justement à mettre en lumière ces projets et ces porteurs de projets. Avant ça, je ne les connaissais pas, je les ai connus lors de, ces ateliers. Ça a permis également à des entreprises. Je suis du monde de l'entreprise, de connaître des solutions élaborées ici, dans notre pays, par des jeunes très actifs, qui ont les capacités, qui ont tout ce qu'on veut, et des solutions viables. D'accord. Ce qu'ils ont peut-être oublié de dire, c'est qu'ils ont abouti à la fabrication d'un équipement de mesure en ligne, en temps réel. D'accord. Et ils ont même déposé un brevet pour. J'allais justement poser la question par rapport, à la protection de l'innovation par rapport au brevet. Donc, qu'en est-il? On a déposé un brevet sur l'INAP, on attend la réponse, et même déposé le label Projet Innovant. Très bien. Alors aujourd'hui, il faut dire qu'au niveau des universités, ce qu'il y a de très intéressant, c'est l'accompagnement des jeunes à travers les incubateurs. Donc aujourd'hui, pratiquement chaque université a, a son propre incubateur. Alors, vous avez pensé à vous incuber justement pour la promotion? On est déjà incubé à l'École nationale polytechnique de Rouen par Mme Mbarki. On a déposé une demande de label innovation sur le plateforme startup.dz. Donc, on attend de la réponse pour validation du projet. C'est sûr que les réponses seront positives, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Oui. Après, comment vous comptez justement mettre en place le projet au niveau donc, des stations? Donc, ici, on va maintenant à la recherche des clients qui sont intéressés par notre projet et on, nous avons des clients intéressés en industrie. Parmi les industries, il y a la station de dessalement de Bnisaf Water Company. Qui sont, ils ont collaboration avec notre école. Très bien. Ils nous donnent la chance par M. le directeur général, M. Chefi Mohamed, qui offre ses portes à nous pour faire des expériences sur notre modèle, faire des analyses, tout ce que vous voulez. Donc on revient encore une fois aussi à ce partenariat entre le monde universitaire et le monde économique aussi, parce que c'est ce qui doit se faire finalement. Bah oui, donc bien toute sûr. La théorie se fait au niveau de l'université, pratique donc au niveau des industries. je vais vous redire ce que j'ai dit lors de ces ateliers, c'est que bon, nous avons un sérieux problème de communication. Je suis d'accord. On aime évoluer en vase clos, en étant cloisonné, chacun dans sa zone de confort, et puis on n'aime pas sortir de nos zones de confort. C'est sérieux. Et là, c'est valable aussi bien pour l'entreprise, 2, les universitaires, 3, les centres de recherche. Ouais. Chacun aime évoluer dans sa zone de confort. Et puis maintenant, il faut qu'on sorte de ça. Je me permets d'en parler parce que tout simplement, je travaille dans une entreprise où, depuis qu'elle était toute petite, on avait introduit l'aspect engineering. Oui. Aujourd'hui, cette entreprise a bien grandi,
mais elle ne sait plus travailler sans engineering. D'accord ? Quel que soit le projet qu'on doit réaliser, il y a toujours la phase engineering qui vient en premier. Et quand on maîtrise l'engineering, nous sommes ouverts vers des solutions de recherche qui arrivent à compléter en compétences pointues nos capacités engineering. D'accord ? Il y a d'autres entreprises comme nous, je parle bien sûr dans nos métiers. Nous on travaille essentiellement dans l'eau et dans les déchets. Mmh. Et dans nos métiers, il y a quelques entreprises qui ont ces capacités d'engineering et qui font de temps en temps appel à des universitaires, à des compétences pointues, etc. Mais nous ne pouvons pas dire, franchement, que l'ensemble des entreprises algériennes ont cette capacité en engineering. De manière générale, l'engineering n'est pas développé au sein de l'entreprise algérienne spécialisée. Et là, je parle, bien sûr, nous parlons de projets à réaliser, à concevoir, à réaliser dans les métiers de l'eau. Mm-hmm. D'accord ? Essentiellement. Et quand on ne sait pas faire du technique, entre guillemets, on va se limiter à faire du béton, du terrassement, de la pose de conduite, etc. Ensuite, dès qu'il s'agit de process de traitement des eaux, on va regarder à l'étranger s'il y a une entreprise qui sait faire. Aujourd'hui, il y a des entreprises algériennes qui savent le faire également. C'est très bien, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. C'est pas assez d'ailleurs, c'est dans ce sens que les ateliers sont venus. Hein. Absolument. C'est justement pour ouvrir, pour s'ouvrir à toutes ces propositions. Alors là, c'était des ateliers qui étaient encore une fois ouverts aux universitaires, aux clubs, aux différents incubateurs. Donc, durant ces trois jours, M. Belboissier, il y a eu un accompagnement finalement de ces porteurs de projets. Donc, un accompagnement. Entre autres. Pardon ? Oui, entre autres. Voilà, un accompagnement donc, qui a été fait. Mais ce qui est intéressant, c'est après les ateliers. Donc, vous en sortez avec des recommandations, vous en sortez avec des résultats. Alors, qu'en est-il après les ateliers pour mettre tout ça en valeur ? Il y a deux volets à cette question. Enfin, la réponse va se faire sur deux volets. Le premier volet est le suivant. Lors des débats, il y a eu des exemples, on va dire, des gens qui ont parlé de certains exemples, de leur frustration de ne pas avoir trouvé en face du répondant. Oui. D'accord ? Et donc là, déjà, il y a eu des tilts. Oui. Hein, pour dire, OK, on s'échange les cartes de visite, la semaine prochaine, on s'appelle, on prend rendez-vous, on s'assoit sur la table. Et là, c'est… C'est déjà pas mal. Ah, magnifique. Voilà. Il y avait par exemple un exploitant également. Deuxième exemple typique, c'est un exploitant d'une station de dessalement qui dit « J'ai un problème sur ma station, j'ai regardé côté université, j'ai trouvé la solution, les compétences, tout ce qu'on veut. L'université me demande donc de financer quelques travaux de recherche, c'est essentiellement l'achat d'équipements et autres. Oui. » Mais bon, on va dire prestation pour pouvoir aboutir. Mais, et il expliquait que lui étant entreprise, s'il faisait des dépenses, systématiquement, il devait recevoir une facture. Mmh. Mais l'université n'était pas capable de facturer. Et la solution a été tout bonnement de proposer un consortium, université, entreprise, exploitant de station. Donc, on est sorti avec des solutions, pratiques, voilà. Comme ça. Et il y a même des rendez-vous qui sont pris pour, on va dire, la semaine prochaine ou l'autre semaine. Ensuite, de manière générale. De manière générale, il faudrait systématiser la chose. Mmh. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait des rencontres pour qu'on puisse en débattre et dire « Ah oui, si, on peut faire des solutions ponctuelles comme ça. » Voilà, on va dire que ce genre de rencontres peuvent aussi constituer un coup de starter. Absolument. Hein, vraiment, absolument. Ça booste un petit peu et ensuite, ça remet un petit peu les choses sur les rails. Absolument. Mais l'une des solutions, c'est quoi ? C'est que tout bonnement, les universités, les labos de recherche, les centres de recherche se dotent tout bonnement d'une entreprise de prestation, engineering, mais engineering poussé. Oui. D'accord ?
On va dire, si je parle de l'eau, c'est pas ce bureau d'études, cette entité d'ingénierie qui ira faire des études de réseau d'assainissement, un truc comme ça. Il y a des bureaux d'études qui savent faire, qui savent bien faire, le souci n'est pas là. Mais d'aller vers de l'ingénierie pointue, et de manière générale, quand il y a des besoins en ingénierie pointue, on a tendance à regarder à l'étranger. Pourquoi ? Là, parce qu'on exige des références. Oui. Mais aujourd'hui, bah, on va mettre de côté tout ce qui est référence et on va plutôt regarder compétences. Et c'est ce qui se fait en ce moment. Et d'ailleurs, on ne cesse d'être impressionné hein, par les compétences des jeunes. Voilà, ils sont là parmi nous avec des solutions quand même intelligentes. En tout cas, on retient d'aujourd'hui qu'il faut absolument vraiment sortir de sa zone de confort, aller vers ce partenariat, aller vers cette responsabilité collective hein, donc, entre le monde universitaire et le monde économique. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle Monsieur Abdelmalik Melboussi, donc vous êtes expert en eau. Merci à vous, les jeunes. Donc vous êtes venus d'Oran et bravo à vous. Très très belle continuation. Abid Mohamed Riyad, porteur de projet, et aussi Mohamed Ouharani, porteur de projet. Bravo à ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Juste pour mentionner, je dois remercier. Remercier notre encadrante, enseignante à l'École nationale, Madame Bniaïa Khadija, qui a une expérience énorme dans le domaine de l'islamant. Et Madame Ibarke, qui est incubateur de notre école. Voilà, on n'a pas oublié M. Chef Mohamed, directeur général de Bnissaf Water Company. Qui vous a fait confiance. Ah oui, bien sûr. Et M. Hamou Farid, notre aussi encadré, on l'a porté automatisation au niveau de l'accord national polytechnique d'Europe. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une très très belle continuation et beaucoup de succès, Inch'Allah. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci, c'est à l'IMZAD que nous allons nous intéresser. On se retrouve juste après pour la dernière station de cette matinée. L'IMZAD, ce sera en compagnie de notre amie Sophia Choubana tout de suite. C'est dans l'immensité de l'Ahagar que les femmes Touareg s'adonnent à la fabrication de l'imzad. C'est un instrument plus que séculaire, dont la coque est constituée d'une demi-calebasse recouverte d'une potanée en cuir, traversée d'un bâton, faisant office de manche où est attachée la corde émettrice de son ou la parole est au doigt. Le processus de la fabrication de cet instrument musical très ancien se transmet de mère en fille. Ressuscité ces dernières années, grâce au mouvement associatif et l'aide précieuse de l'État, l'IMZAD a repris vie et a été inscrit comme patrimoine universel par l'UNESCO en 2015. La musique des Touaregs gagne du terrain grâce à l'IMZAD, cette musique chante l'amour pour toi, l'honneur à un guerrier, la paix en Algérie, le mariage et la joie. Pour l'heure, le genre musical Tendi, très apprécié, a attiré un grand public. Et incontournable ambassadeur de la chanson. Et voilà, c'était donc l'IMZAD en compagnie de notre amie Sophia Choubani. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'art sous toutes
ses formes, comme je vous le disais ce matin. Très très belle exposition a eu lieu à l'occasion de la Journée mondiale des enfants, mais aussi au Palais de la Culture, une très belle exposition des étudiants des Beaux-Arts. Nous en parlons ce matin en compagnie de M. Abdelrahman Barthi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Très heureux d'être parmi vous. Toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Marhaba Beki, parmi nous les étudiants des Beaux-Arts, à savoir Houssam Choublak. Houssam, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Houssam? Très bien. Sculpteur, merci. Houssam. Sculpteur, oui. Sculpteur. Je ne sais pas pourquoi, mais il a la tête d'un sculpteur. Ouais, Houssam. Ouais. On vous le dit souvent. On le dit souvent. Vous dégagez comme ça quelque chose de très particulier, vous, les sculpteurs? Je sais pas, peut-être. Enfin, tous les artistes dégagent quelque chose de très particulier. Oui, oui, mais les sculpteurs, on peut vraiment reconnaître les sculpteurs. On peut les reconnaître, effectivement. Alors, la réalisatrice vous dit que vous avez la tête d'un ténor. Alors là, on est toujours dans l'art, hein, ouais. Finalement. Ouais. Et elle n'a pas tort. Je suis d'accord avec elle, finalement. Et parmi nous également, Lydia Rabai. Lydia, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Lydia? Ça va très bien. Alors, Lydia, c'est le travail de l'art, c'est le travail des mains, c'est la poterie. Oui. Oui, exactement. J'imagine que ça a un impact terrible sur le bien-être. Oui, vraiment. N'est-ce c'est pas? Très relaxant, oui. Ah oui, le contact avec oui. la terre. Oui. Ah, j'imagine. Exactement. Alors, vous allez nous parler de votre passion. Parmi nous également, Rania Achouch. Rania, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Rania? Ça va. Alors, Rania, par contre, artiste-peintre? Peintre, voilà, oui. Artiste-peintre. Alors, quand on dit les beaux-arts, on pense directement aux artistes-peintres. Hein, oui. Donc, les sculpteurs, les poteries. Les poteries... On n'en parle pas beaucoup, mais les artistes peintres, on en parle beaucoup. Oui. Voilà, effectivement. Alors, vous avez exposé au niveau du Palais de la Culture. C'était à l'occasion de la journée de l'étudiant, mm-hmm. n'est-ce pas? Votre première expérience en exposition? Non, mm-hmm. non. Ce n'était pas la première expérience, mais on est en cinquième année. Elle est en quatrième année. Cinquième année, donc dernière année? Dernière année, oui, oui. Exact. Et on a fait beaucoup d'expositions avant. Cette exposition, elle était une chance pour nous, pour montrer au monde et pour montrer vis-à-vis aux autres arts, parce qu'il y avait l'ISMAS, il y avait oui. Les autres écoles, ce qu'on fait à l'école. Alors, on avait des stands, chaque stand avait la spécialité ou des travaux ou des œuvres de l'école pour présenter mmh. tout ce qu'on fait là-bas. Voilà, et donc mmh. c'est ce que vous avez fait, donc vous, montrez-moi vos mains. Montrez-moi vos mains. Mes mains. Vous n'avez pas de blessure? Non, non, ça va, non. ça va, ça va. Très adroit. Très adroit, Hassem, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Alors, la peinture, donc c'était quoi un petit peu l'objet de votre exposition cette fois-ci? Une thématique particulière? Oui. Oui, c'était quoi? C'était, on a exposé nos travaux et... Qu'est-ce que vous avez exposé, vous? Vos travaux à vous? Mes peintures. C'était quoi la thématique de votre peinture, de vos peintures? Donc, je travaille beaucoup plus sur le flou. D'accord. Mm-hmm. Sur le flou? Oui. Pourquoi le flou? J'aime beaucoup. Tout est clair pourtant dans la vie. Enfin, tout est clair, j'exagère un peu, mais bon. Qui n'a aimé lunettes et où les plus. Ah oui, Abner le fil. Ah oui, vous avez marqué votre point. Effectivement. Mais sinon, la poterie, alors la poterie, il y a eu quoi comme objet? Alors la poterie, ça existe dans toutes les maisons. Hein. Donc là, oui. on vous reconnaît finalement. Oui, exactement. J'étais même surtout le centre de l'attention des visiteurs. Parce que j'ai eu la chance d'apporter le tour. Oui. Qui est à l'école des Beaux-Arts. Donc j'ai pu transporter le tour. Mm-hmm. Donc j'ai fait des démonstrations de poterie. Et il y a eu même des visiteurs qui se sont intéressés. Donc ils sont assis, ils ont même essayé de... Mis la main à la pâte. Oui, mis la main à la pâte, exactement. Ça. Donc ils ont essayé de faire des pièges. Je leur ai montré quelques méthodes, comment on tourne, comment on élargit notre forme. C'est vrai que c'est très gracieux à voir. Hein. Quand on voit, c'est un peu sûr. Ça votre travail? Oui, c'est très satisfaisant. Celui-là, ce n'est pas fait avec le tour, mais le tour, vraiment, il est très satisfaisant. Oui, très satisfaisant. J'imagine. Rien qu'à voir, déjà, c'est spectaculaire. Oui, oui bien oui, sûr. Oui. Oui, visuellement et aussi physiquement, quand on touche la matière, c'est super relaxant, oui. C'est vrai. C'est vrai que le contact avec la terre direct, d'ailleurs, c'est une thérapie. Hein. C'est une forme de oui, thérapie. Tout, oui, c'est tout une l'art, thérapie, d'ailleurs, oui. c'est une forme de thérapie. Aujourd'hui, on parle d'art-thérapie, d'ailleurs. Oui, exactement. Oui. Mm-hmm. Hassem, je reviens à vous. Donc, vous êtes sculpteur. Oui. Un domaine particulier dans la sculpture? Des objets particuliers? Il n'y a pas vraiment un objet particulier ou des objets particuliers. Si c'était avant... je parle par rapport aux Beaux-Arts, pas en tant qu'artiste en dehors des Beaux-Arts. Oui. Au Beaux-Arts, avant, il y avait des spécialités un peu plus précises, mais maintenant, avec le système LMD, quand on fait sculpture, on fait aussi la céramique. Alors, on doit être spécialisé dans n'importe quel domaine que ça vient dans ces deux spécialités. Alors, on touche à tout, on fait de la céramique, on fait de la mosaïque, on fait de la sculpture monumentale,
et la restauration même. Mm-hmm. Alors, c'est un peu ça. On doit toucher à tout. Qu'est-ce qui est difficile, de créer ou de restaurer? Bon, créer, c'est très difficile parce qu'on doit avoir l'idée initiale. Oui. Et être créatif, c'est avoir l'idée initiale. C'est ça. Mm-hmm. La créativité n'est pas le résultat final. Le résultat final, c'est la technique. Oui. Mais le challenge n'est pas au résultat final. Le challenge est trouver cette idée, de passer par étape à étape pour atterrir sur l'idée. Oui, c'est un de mes travaux. D'accord. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'effet naturel. J'aime trop travailler avec du bois, etc. Alors, tout est clair pour vous, il n'y a pas de fond. Oui, ça va, tout est clair. Tout est clair. Et voilà. La restauration, la restauration, c'est pas dur. C'est une responsabilité parce qu'on doit travailler avec des normes. Oui. C'est ça. Et rester fidèle à l'objet initial. Bien sûr, bien sûr. Ou ça va sortir de la restauration et rentrer à la rénovation. Voilà. Et là, on entre avec d'autres normes, on entre avec d'autres... Ça reste passionnant tout ça. C'est très passionnant. On doit avoir vraiment une grande passion dans ce domaine pour avoir des idées, pour avoir créé et même restauré. Oui. Il doit avoir aussi de la passion. Effectivement. Alors, je reviens à vous, M. Abderrahmane Berthé. Oui. Alors, vous qui êtes artiste peintre, vous êtes entouré de jeunes qui font un travail magnifique. Oui, on a discuté. C'est vraiment de l'espoir. Oui. C'est vraiment ça vous fait plaisir. Hein. Oui, vous, bien sûr. La relève est assurée. Bien sûr, la relève est très assurée. Oui. Voilà, et justement, M. Berthé, vous travaillez beaucoup à ce transfert aussi de connaissances, transfert d'art, à protéger, à la protection, à la promotion de l'art. Et c'est ce que vous avez fait, d'ailleurs, à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Une belle exposition au profit des enfants, n'est-ce pas? Tout à fait, bien sûr. Alors, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, la bibliothèque... public de type ASA a organisé une exposition. Elle nous a sollicité, moi et Madame Abab Sia Jamila et Monsieur Salim Kar, qui est le directeur de l'école des beaux-arts de type ASA. On a fait des expositions et puis il y a eu des ateliers avec les enfants. C'était magnifique. Il y a eu les parents d'élèves. Les parents des enfants sont venus. C'était vraiment la fête de la couleur et de l'enfance. De toute façon, M. Berthé, quand on parle d'enfants, des ateliers pour enfants, des manifestations pour enfants d'une manière générale, l'atelier dessin, il est omniprésent, il est obligatoire. On ne peut pas imaginer l'enfant sans l'atelier dessin. Ça va de soi, finalement. C'est une façon de s'exprimer. Oui, tout à fait. C'est une condition sine qua non. Oui. Donc, comme disait Picasso, j'ai passé toute ma vie à chercher comment dessiner comme un enfant. Ça vous arrive d'y penser? Oui. Donc, les enfants, moi j'ai passé aussi ma vie en tant qu'enseignant, j'ai passé 34 ans avec des enfants de primaire. Eh bien, c'est des génies. Mm-hmm. C'est des génies et je me suis même servi de leurs avis pour mes toiles. Pour vos toiles. Oui. Ils sont sincères, les enfants. Ils sont sincères et puis ils ont l'imagination très, très, très... Mm-hmm. D'ailleurs, dans le surréalisme, on emprunte beaucoup de choses de l'enfant. D'accord. Et les surréalistes, même Salvador Dali a dit que moi, je suis un grand enfant. Mm-hmm. C'est-à-dire... on ne peut pas être plus génial que les enfants. Oui. Et hier, c'était vraiment la fête. Et puis, l'enfant, il ne sait pas fabriquer ses réponses. Il est naturel, il est spontané. Il est sincère. C'est pour cela, c'est vraiment... vivre avec des enfants, c'est vraiment une grande chance de la vie. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, justement, pour parler encore une fois de cette exposition qui s'est tenue à l'occasion donc, de la journée des droits de l'enfant. Alors, M. Berthé, justement, comment les choses se sont passées? Est-ce que ce sont les toiles des enfants qui ont été exposées, des ateliers de dessin, de peinture? Les toiles, c'est nous, les trois artistes. Mais on a supervisé les ateliers. Oui. Il y a eu beaucoup d'enfants... il y avait leurs parents qui les aidaient, il y a eu des prix aussi. Il y a aussi les parents qui les aidaient ou les parents qui sont redevenus enfants? Redevenus enfants, c'est mieux, voilà, c'est l'explication la plus juste. Mm. Et puis, pour revenir un peu en arrière, le 28, on a fait aussi des ateliers pour les enfants à l'occasion de la journée du scout à Cherchel. Aussi, j'ai supervisé des ateliers en plein air, la célèbre placette de Cherchel, des ruines romaines.
Donc les enfants étaient vraiment dans leur monde, c'est-à-dire ils étaient où il fallait être. Donc c'est les mondes de couleurs et des rêves et de la beauté et de la liberté surtout. Parce que la liberté, être libre, c'est être un enfant. Oui. C'est-à-dire l'enfance, on n'a pas d'obstacle. Donc moi, quand je veux me ressourcer, je redeviens un enfant. Oui. Je ferme mes yeux, je redeviens l'enfant que j'étais. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est ça, voilà. Voilà, on puise toute l'inspiration des enfants. Je reviens à vous, les jeunes. Bon, bien que vous êtes encore de grands enfants, hein. Là, ça suit. Hein. Pas encore très, très grands, mais de grands enfants. Ça vous arrive aussi de puiser dans votre enfance, d'aller vers des enfants, de penser quand même comme un enfant lorsque vous travaillez? Parce que j'imagine que les travaux que vous faites, ce n'est pas seulement au niveau des beaux-arts. Hein, parce que quand on est artiste, on l'est tout le temps, à tout moment. Hein, même à 2h du matin, il y a un petit déclic, on se lève et on va travailler, n'est-ce c'est pas déjà, c'est déjà l'heure des idées. C'est déjà l'heure des idées, ouais, bah, ouais, la nuit porte c'est conseil. Le cliché, ouais, c'est le cliché. Voilà. Bon, c'est 3h du matin, c'est l'heure des idées. Mais oui, ça nous arrive beaucoup de réfléchir comme des enfants. Même on essaye de réfléchir comme des enfants parce que je reviens sur la première idée que j'ai partagée, c'est sur la différence entre la création et la restauration. Mm-hmm. La création, elle est plus difficile parce qu'on cherche l'idée initiale. Et cette idée initiale, on a beaucoup de lois prodisciplinaires qui nous engagent de réaliser ou d'avoir cette idée initiale. Parce qu'on réfléchit beaucoup sur la loi, on réfléchit beaucoup sur les normes, comment on travaille les trucs, les difficultés avant de réfléchir sur l'idée. Et ça, on n'avait pas ça quand on était enfant parce qu'on réfléchit direct. Avec notre imagination, on a un champ sans libéral loi. Beaucoup plus important. On n'a pas de loi. Voilà, on n'a pas de limite, on n'a pas de dos d'âne. Ouais, genre directement, on a tiré sur l'idée. Et c'est oui, si on commence à réfléchir comme des enfants ou à voir l'aspect innocent, l'idée, on peut être le meilleur artiste qui s'est passé. Effectivement. Alors, Rania ou Lydia, donc, durant l'exposition, vous avez rencontré des gens. Donc, il y a eu quand même des interactions, il y a eu des échanges avec beaucoup de personnes. Donc, lorsqu'on parle d'étudiants, donc, c'est vrai qu'au niveau des beaux-arts, on est déjà artiste hein, avant même de rentrer. Parce qu'on sait que les beaux-arts, c'est une vocation avant tout. Avant de faire les beaux-arts, n'est-ce pas? C'est une vocation avant tout. Alors, les échanges avec toutes les personnes que vous avez reçues, ça s'est passé comment? C'était très bien, donc il y avait une alchimie d'artistes. Donc vous, c'était carrément un atelier que vous avez partagé avec... Oui, littéralement. Il y avait même une journaliste, elle est venue, elle a voulu tourner, elle était très intéressée. Donc on avait une alchimie entre nous, entre artistes, on se comprenait, c'était magnifique. Ah, j'imagine un bel échange. Alors Rania, dans le flou des choses, on voyait clair quand même quand on venait voir vos tableaux? Oui, en lointain, tu peux voir bien. D'accord, donc c'est une technique particulière? Oui. Oui. Donc de loin, on voit clair, quand on se rapproche, c'est flou. C'est flou, voilà. C'est vraiment effet lunette, ça. Oui, ben, finalement. Ouais. C'est vraiment effet lunette. On donne le filtre de ce qu'elle voit sans lunettes. Ouais. Voilà, effectivement. Alors, des questions par rapport à ce type de technique? De la part des personnes qui sont venues voir un petit peu votre exposition. C'est un peu ça, ce que nous sommes en train de voir? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, ce tableau? Alors, ce tableau, c'est comme on peut voir une fille accroquevillée sur son lit. Ah, c'est juste, on peut revenir au tableau, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Donc, on peut sentir des énergies... Voilà, on est en train de le voir, oui. On peut sentir des énergies un peu mal, genre... C'est ce qui explique le choix des couleurs? Oui. D'accord. Donc, voilà. Mm-hmm. On peut voir aussi ces dessins accrochés sur le mur. Oui. Donc, on peut voir ses dessins accrochés sur son mur pour... Ce sont des tableaux? Ça représente un peu des tableaux? Oui, aussi. Pour des tableaux rassurer, pour la rassurer, pour... elle a créé sa propre zone de confort. Donc, c'est ce que vous faites aussi? Oui.
Oui, parce qu'elle parle de tableau qui réconforte un tableau. Donc finalement, vous vous réconfortez avec l'art, hein, ouais, n'est-ce pas? Si je me permets, j'ai eu un peu l'occasion de voir ses œuvres, de voir ce qu'elle fait de plus près. Et je comprends ce qu'elle fait parce qu'elle nous donne une image vis-à-vis de sa vie elle-même. D'accord. De sa vision, comme on l'a dit, sans lunettes et tout. Oui. Et c'est comme j'ai dit, c'est un filtre complètement différent de ce qu'on voit, qu'on peut l'avoir avec la caméra, mais c'est tellement près de la réalité, de ce qu'elle voit, oui, de sa vie, qu'on peut vraiment comprendre, même si c'est flou. Vous permettez vos lunettes? Sachant que là, de toute façon, c'est très physique. Hein, oui. Ça n'a pas forcément un sens particulier. Je suis censée voir flou de près ou de loin? De loin. De loin. De loin. D'accord, de toute façon, je vois flou de près et de loin avec vous. L'art est subjectif. Voilà. C'est l'art, subjectif. C'est ce que je voulais moi, savoir. Je l'écoutais maintenant. Après tout, en fin de compte, l'artiste parle avec sa peinture. Effectivement. Il est peut-être maladroit quand il parle, mais il parle très bien avec sa peinture. Je pense que c'est le cas de mademoiselle. Elle parle très bien. Moi, j'ai vu son travail, il m'a plu beaucoup. C'est-à-dire, c'est un style. L'art, bon, on apprend à l'école les ABC de l'art. Oui. La perspective et tout. Et puis, après un certain temps, il y a une empreinte personnelle. Mais beaucoup d'artistes sortent un petit peu de ce cadre. Oui, aussi, oui. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a comme ça des bases théoriques, mais certains artistes vraiment. C'est les ABC. L'école, c'est indispensable, l'école. On doit connaître la langue, oui, parce que la peinture, c'est un langage. C'est un langage. Le langage, il a ses lettres, il a ses phrases, il a sa grammaire, il a tout. Mais après, vous savez, par exemple. Paul Éluard, il dit « Le ciel est bleu comme une orange ». Le ciel est bleu comme une orange. C'est subjectif. La terre est ronde comme une orange. Dans certains écrits, le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Comme une orange. Dans d'autres, voilà, la terre est ronde comme une orange. La terre est bleue comme une orange. Voilà. La terre est bleue comme une orange. Oui, peut-être. Voilà. Donc... c'est-à-dire, pour lui dire, c'est un surréaliste. C'est un ami de Salvador Dali et tout. Donc, l'artiste, à un certain moment, il n'y a pas de critères pour juger son travail et tout. Et puis chacun s'identifie. Voilà, hein, chacun s'identifie, c'est une empreinte. À l'art, nous, les humains, on a des empreintes. Et puis, moi, personnellement, on dit, c'est un artiste, sans voir... C'est vrai, nous arrivons à la fin, effectivement. Voilà. Effectivement, on reconnaît l'empreinte de l'artiste à travers son travail. Voilà. En tout cas, ça a été un pur plaisir de partager ce moment avec vous, M. Abdelrahman Berthier. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Vous faites déjà pour les enfants, pour la promotion de l'art. Lydia. Oui. Lydia, Rania, Houssem. Oui. Voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Très, très merci belle de nous avoir accueillis. À vous, ça a été un plaisir. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très agréable journée à tous. Et je vous retrouve avec un très grand plaisir de demain à partir de 8h. Au revoir.